je me sens drôle. i feel dizzy. il mesure cinq pieds. he is five feet tall. une table à quatre pieds. a table has four legs. il eut le poste. he got the job. cet endroit est bizarre. this place is weird. je me sens bizarre. I feel strange. Quel homme bizarre. What a funny man. Veuillez me laisser un message. Leave me a message, please. Il m'a appelé un taxi. He called me a cab. Le taxi est arrivé. The taxi has arrived. Il a environ 30 ans. He is about 30. Je vais être marié. I'm going to get married. Voici vos clés. Here are your keys. Le lac est grand. The lake is big. Vous aviez promis. You made a promise. Vous connaissez les gens. You know people. Il a tombé la chemise. He removed his shirt. Je me rappelle ce discours. I remember that speech. Il a une grosse voix. He has a loud voice. Je suis resté sans voix. I was speechless. Je connais un moyen. I know a way. Le concert fut un succès. The concert was successful. Elle travaille dans une banque. She works in a bank. Les filles ont gagné. The girls won. Il a réussi. He made it. Nous avons réussi. We succeeded. Vous avez toutes bien réussi. You all did well. Nous avons attendu dehors. We waited outside. Tu parles trop vite. You talk too fast. Ma copine me ment vraiment. I really miss my girlfriend. Qui est ta copine? Who is your friend? Elle est allée en haut. She went upstairs. Elles ont menti. They lied. Quel est ce haut bâtiment? What's that tall building? Ça a un peu vécu. It's a little dated. Il est né riche. He was born rich. Je suis tombé en courant. I fell when I was running. Mes parents sont au courant. My parents know about it. Laissez tomber votre arme. Drop your gun. On peut compter sur lui. He can be counted on. Un cheval court vite. Horses run fast. Je pourrais réparer ça facilement i could fix that easily. je te souhaite du succès. i wish you every success. ferme bien la porte. shut the door tight. ferme tes yeux trois minutes. close your eyes for three minutes. je travaille dans une ferme. i work on a farm. il pleut depuis lundi. It's been raining since Monday. Je mets des vêtements propres. I put on some clean clothes. Ils ont leurs propres problèmes. They have their own troubles. Allez attraper un verre. Go grab a drink. Je dois attraper ce train. I have to catch that train. On dirait un rêve. It feels like a dream. Que dirait le médecin? What did the doctor say? Ils veulent se marier. They want to get married. Il était supposé venir. He was supposed to come. Mes parents sont en Australie. My parents are in Australia. Vivre sans air est impossible. To live without air is impossible. Je suis né en Amérique. I was born in America. Il avait perdu tout espoir. He had lost all hope. La situation est sans espoir. The situation is hopeless. Ce chapeau est le mien. This hat is mine. Je cherche mon appareil photo. I'm looking for my camera. Cherche dans chaque pièce. Search every room. Laquelle est votre guitare? Which is your guitar? Je le promets. I promise. La journée est presque passée. The day is almost over. Écoute mon conseil. Take my advice. Écoute une minute. Listen a minute. Écoute, je suis sérieux. Look, I'm being serious. Tu es jolie en noir. You look good in black. Il vit une jolie fille. He saw a pretty girl. Cette montre est très jolie. That watch is very nice. Vous devriez avoir honte. You ought to be ashamed. Nous sommes seuls. We're on our own. Ma soeur est mariée. My sister is married. Je cherche un vieil homme. I'm looking for an old man. Elle m'a montré sa chambre. She has shown her room to me. Ce parapluie ressemble au mien. This umbrella looks like mine. Elle ressemble à sa mère. She takes after her mother. Beaucoup de gens aiment voyager. Many people like to travel. Les parents aiment leurs enfants. Parents love their children. Voici mon permis de conduire. Here's my driver's license. La pluie commença à tomber. The rain began to fall. Il commença une nouvelle vie. He started a new life. Si seulement il avait su. If only he had known. Le magasin est déjà fermé. The store is already closed. Elle l'a apprécié. She liked it. Il est bien apprécié. He is well liked. Nous avons beaucoup apprécié cela. We really enjoyed that. Il est complètement idiot. He is a complete idiot. Je me suis senti idiot. I fell dumb. Prenez soin de votre dos. Take care of your back. Qui t'a envoyé ici? Who sent you here? Cette chemise coûte 10 dollars. This shirt costs 10 dollars. Ce cheval coûte très cher. That horse is very expensive. Quel taille fait ta chambre? How big is your room? Il va certainement pleuvoir. It's bound to rain. Il me faut continuer. I must continue. Vous devez continuer sans moi. You have to go on without me. Je crains que non. I'm afraid not. Il est 10h20. It is 20 minutes past 10. Il est certainement intelligent. He certainly is smart. Avance de deux pas. Advance two steps. Elles sont en avance. They're early. Ce type est célèbre. This guy is great. Cette affaire l'a rendu célèbre. That affair made him famous. Je viens de nettoyer ceci. I just cleaned this. Va nettoyer ma chambre. Sweep my room. Que fait cette chaise ici? What's this chair doing here? Je suis censé partir. I'm supposed to go. Comment je fais cela? How do I do that? Ce livre était neuf. This book was new. Combien coûte une pomme? How much does an apple cost? Tu devrais réfléchir. You should know better. Veuillez réfléchir. Please think it over. Elles ont des ennuis. They're in trouble. Elle est habituellement en retard. She is habitually late. Ne lise pas mon journal. Don't read my diary. Vous devez lui prêter attention. You must pay attention to him. Je dois retourner en réunion. I've got to get back to the meeting. Cela pourrait prendre des semaines. That could take weeks. Nous savons que cela fonctionne. We know it works. Vous semblez occupé. You seem busy. Selon moi, elle a raison. I am of the opinion that she is right. Ton visage est rouge. Your face is red. Il me donna sa parole. He gave me his word. Nous en sommes toutes certaines. We're all sure of that. Je me suis sentie responsable. I felt responsible. Qui est le responsable? Who is the manager? Habituellement, elle se lève tôt. She usually gets up early. Lève la main gauche. Raise your left hand. Il est pauvre, mais heureux. He is poor, but happy. Elle lui conseilla quoi faire. She advised him about what to do. Je souhaite être docteur. I wish to be a doctor. Selon lui, elle est honnête. According to him, she is honest. La douche ne fonctionne pas. The shower doesn't work. Regardez le sol. Look down at the floor. Ça me dérange vraiment. That really bothers me. Ne la dérange pas. Do not disturb her. Ceci fera une grosse différence. This will make a big difference. Nous avons à moitié raison. We're half right. Dieu que tu es belle. God, you're beautiful. Ne nous oubliez pas. Don't forget us. Une semaine compte sept jours. A week has seven days. Nous pourrions le garder secret. We could keep it a secret. Vous pouvez embrasser la mariée. You may kiss the bride. Il m'a fallu y retourner. I had to go back. Elle est partie se coucher. She had gone to bed. Quel beau coucher de soleil. What a beautiful sunset. Quelle chouette surprise. What a nice surprise. Sa voiture est vraiment chouette. His car is really cool. Sa parole est la loi. His word is law. Ce fut un instant parfait. It was a perfect moment. Ça fonctionne comme prévu. It's working as intended. Elle est sûre de réussir. She's sure to succeed. Je pense pouvoir réussir. I think I can do it. Vous devez tenir votre promesse. You must stick to your promise. Ça sera différent, désormais. It'll be different now. Mon oncle habite à Londres. My uncle lives in London. Tu ne seras pas intéressé. You won't be interested. Dites celle que vous aimeriez. Say what you would like. Sors de ma chaise. Get out of my chair. Je ne sors pas. I'm not going outside. Nous sommes dos au mur. We're up against the wall. Je joue dans un groupe. I play in a band. Il regarda les garçons nager. He watched the boys swimming. Elle regarda tout autour. She lit all around. Cela me ferait certainement plaisir. That would certainly make me happy. Je veux une glace. I want ice cream. Je me rappelle ce sentiment. I remember that feeling. Il manque un couteau. There is a knife missing. Je tiens toujours parole. I always keep my word. Tiens ta langue. Bite your tongue. Je veux des œufs. I want eggs. Il devrait me remercier. He should thank me. Je suis un taligno. I'm such an idiot. Tel père, tel fils. Like father, like son. Il écrit une longue lettre. He's writing a long letter. Quel est votre groupe préféré? What's your favorite band? Il est proche du président. He is close to the president. Il a manqué la classe. This class. Chacun connaît la loi. Everyone knows the law. Chacun deux a un vélo. Each of them has a bicycle. Elles te veulent morte. They want you dead. Il est revenu peu après. He came back soon. Il semblait un homme riche. He looked like a rich man. Elle semblait avoir été malade. She seemed to have been ill. Ça semblait facile. It sounded easy. Cette voiture est très rapide. That car is very fast. Soyez désormais plus prudente. Be more careful from now on. Les enfants sont notre avenir. Children are our future. La mienne est la rouge. Mine is the red one. Ma soeur possède un piano. My sister has a piano. Je possède ce magasin. I own this store. Il est actuellement sorti. He is out now. Je suis à mon aise. I'm comfortable. Il connaît dix langues. He knows ten languages. Je te cherche partout. I've been looking for you everywhere. Il prit un gros risque. He took a big risk. Je suis tombé. I fell. Hier, il est rentré tard. Yesterday, he came back late. Nous sommes seuls. We're on our own. Au début, tout semblait difficile. At first everything seemed difficult. Ça serait un bon début. That would be a good start. Qui va payer pour ceci? Who's going to pay for this? Il bu une bière. He drank a beer. Quel est son but? What is its purpose? Je serai reconnaissant. I'd be grateful. La maison semblait vide. The house seemed empty. Je dois terminer mes devoirs. I must get my homework finished. Elle adore cuisiner. She loves cooking. Je vais cuisiner pour toi. I'm going to cook for you. Il semblait vraiment nerveux. He seemed really nervous. Ils sont nerveux. They're jittery. Regardez cette montagne. Look at that mountain. Tu es importante. You are important. Toutes mes amies disent ça. All my friends say that. Il fallait prendre une décision. A decision had to be made. Quelle chouette cravate. What a nice tie. Mettez une belle robe. Put on a nice dress. Il commença par une blague. He began with a joke. Je ne blague pas. I am not kidding. Je voulais me souvenir. I wanted to remember. Ton souvenir est bon. Your memory is good. Je veux quitter Paris. I want to leave Paris. Il a quitté sa famille. He has left his family. Elles peuvent gérer. They can manage. Nous allons gérer ceci. We'll handle this. Je pensais qu'elles avaient tort. I thought they were wrong. Ton bain est prêt. Your bath is ready. Je fus déçu par elle. I was disappointed in her. Faisons une promenade. Let's take a walk. Nous nous sommes rencontrés dimanche. We met on Sunday. Bonne chance pour le convaincre. Good luck convincing him. Il vit juste au coin. He lives just around the corner. Je serai ton instituteur. I'll be your teacher. Ça coûte un pont. It costs an arm in the leg. Le pont est fermé. The bridge is closed. Elle portait un chapeau noir. She was wearing a black hat. Je souhaite vendre ceci. I want to sell this. Un long voyage nous attend. We have a long journey ahead of us. Elle attend famille. She's pregnant. Mon frère travaille en France. My brother works in France. Enfin mon tour est venu. At last my turn came. Nous devons garder notre calme. We must keep calm. Sois simplement calme. Just be quiet. Je suis de vos élèves. I'm one of your students. Je vous ai rendu service. I did you a favor. La machine est en service. The machine is out of order. Ce papier est blanc. This paper is white. Cette réunion était extrêmement longue. It was a very long meeting. Le chat semble extrêmement heureux. The cat seems extremely happy. Je mange rarement chez moi. I seldom eat at home. Mes enfants vont rarement dehors. My children rarely go outside. Il est connu pour cela. He's known for that. Elle porte un chapeau sympa. She's wearing a cool hat. Ton père semble très sympa. Your father seems very nice. Ce fut réellement difficile. That was really difficult. Je comprends réellement. I do understand. Vous pouvez emprunter mon stylo. You can borrow my pen. De fait, il était convaincu. As a matter of fact, he was convinced. Vous ne semblez pas convaincu. You don't sound convinced. Il peut parler huit langues. He can speak 8 languages. Le musée est actuellement fermé. The museum is closed now. Je prévois de gagner. I plan on winning. Prends celui qui te chante. Take whichever one you like. Chante une chanson avec moi. Sing a song with me. Mange tes repas lentement. Eat meals slowly. Je préférerais faire une promenade. I'd rather go for a walk. Je vous offre un emploi. I'm offering you a job. Elle adore faire les courses. She loves shopping. Nous faisons encore des courses. We're still shopping around. Il a étudié très dur. He studied very hard. Elles sont toutes les mêmes. They're all the same. Nous parlons anglais en classe. We speak English in class. Parlons un peu boulot. Let's talk shop for a while. Je vais en choisir un. I will choose one. Il nous faut décider. We must decide. Ce thé a bon goût. This tea tastes good. Restez un moment tranquille. Be quiet for a moment. Il semble très endormi. He seems very sleepy. Le bébé était complètement endormi. The baby was sound asleep. Je mange du pain. I eat bread. Cette phrase possède cinq mots. This sentence has five words. Ces voitures sont à nous. These cars are ours. Je vais accepter ton offre. I'll accept your offer. Venez vous joindre à nous. Come join us. Garde cette information pour toi. Keep this information under your hat. Personne ne veut se battre. No one wants to fight. Il me doit une faveur. He owes me a favor. Je vais préparer du café. I'll make some coffee. Je prends cela sérieusement. I'm taking it seriously. Parlons sérieusement de ton avenir. Let's have a serious talk about your future. Allez-vous laver les dents? Go brush your teeth. Je souhaite me laver. I want to wash myself. Nous sommes au bon étage. We're on the right floor. Je vais appeler le chef. I'll call the chef. Mon chef est un idiot. My boss is an idiot. Nous allons continuer à sourire. We're going to keep smiling. Il espère visiter Paris. He hopes to visit Paris tu peux me faire visiter? can you show me around? elle est arrivée dernière? she came last. je suis arrivée ici hier. i arrived here yesterday. cette route conduit au parc. this road goes to the park. il conduit sa propre voiture. he drives his own car. C'est une phrase étrange. This is a strange sentence. C'est comment ton nouveau boulot? How's your new job? C'est très bon. It tastes very good. Elles étaient tellement heureuses ensemble. They were so happy together. Ma femme essaye de dormir. My wife's trying to sleep. Elle essaya une nouvelle robe. She tried on a new dress. Je serai ravie. I'd be delighted. Ravie de vous revoir. Glad to see you again. Il veut épouser ma fille. He wants to marry my daughter. Ouvre ses portes. Open these doors. Elle a refusé sa proposition. She refused his proposal. Mon oncle tient un hôtel. My uncle runs a hotel. Le groupe tient toujours. The band is still together. On se tient au courant. We'll keep in touch. Elle tient de sa mère. She takes after her mother. Il est resté debout tard. He stayed up late. Nous sommes debout. We're standing. Quel est ton jeu préféré? What's your favorite game? Le public commença à rire. The audience began to laugh. Mon frère cherche un appartement. My brother is looking for an apartment. Je pars pour Paris demain. I leave for Paris tomorrow. Pars quand tu veux. Go when you want. Ma fille a attrapé froid. My daughter caught a cold. Attends juste une seconde. Wait just a second. Ils vont bientôt revenir. They'll be back soon. Veuillez revenir dans deux semaines. Please come again two weeks from today. Arrêtez de mentir. Stop lying. Mon nez est trop gros. My nose is too big. Il ira également. He will also go. Nous sommes prêts désormais. We're ready now. La radio est trop forte. The radio is too loud. Combien coûte ce canapé? How much is the sofa? Elle a 2000 livres. She has 2000 books. Cela vient de se produire. That just happened. Ce manteau te va parfaitement. This coat fits you perfectly. Je comprends parfaitement. I understand completely. On a gagné le match. We won the match. Il te faut être préparé. You need to be prepared. Elle m'a laissé une note. She left me a note. Veuillez prendre note de cela. Please write this down voici la note. here's the bell. je te dirai mon histoire. i'll tell you my story. son opinion était sans importance. his opinion was unimportant. garde la porte ouverte. keep the door open. sois fier de toi. be proud of yourself. vous êtes de nouveaux étudiants? you are new students. attendez une petite seconde. wait just a second. il dit un mensonge. he is telling a lie. il se peut qu'elle vienne. she might come. vienne est une jolie ville. vienna is a beautiful city. Ces chiens sont grands. Those dogs are big. Je vous ai vu cuisiner. I saw you cooking. Combien coûte cette balle? How much is this ball? Le printemps est venu. Spring has come. Je pense qu'elles sont prêtes. I think they're ready. Je vais rarement au cinéma. I rarely go to the movies. Tous les hommes sont frères. All men are brothers. Il va traverser la rivière. He's going to cross the river. Écris de la main gauche. Write with your left hand. Nous sommes sûrs de cela. We're sure of that. La réunion aura lieu demain. The meeting will take place tomorrow. Elles seront prêtes pour cela. They'll be ready for that. Depuis lors, nous sommes amis. We've been friends ever since. J'ai étudié avant du dîner. I studied before supper. Tu faisais seulement ton devoir. You were just doing your duty. Fais attention avec ce truc. Be careful with that thing. Je veux manger un truc. I want something to eat. Où est le truc? Where's the catch? Nous sommes venus ensemble. We came together. Elle comprend la musique. She understands music. Mettez le contact. Turn on the ignition. Restez en contact avec moi. Keep in touch with me. Combien coûte le billet? How much is the ticket? Que veut dire ce billet? What does this note mean? Il est tout sauf honnête. He is anything but honest. Il ne put marcher davantage. He could not walk any further. Prenez la route à droite. Take the road on the right. Vous devez vous montrer patient. You have to be patient. Je connais quelques trucs. I know a few things. Que sont tous ces trucs? What's all this stuff? Tu sembles un peu nerveux. You seem a little nervous. Il dort comme un bébé. He's sleeping like a baby. Tout le monde dort. Everyone's asleep. Où se trouvait la police Where were the police? Elle le trouvait beau. She found him handsome. Les gens devraient se laver. People should wash themselves. Tout le monde le pensait. Everybody thought so. Me voilà satisfait. I'm contented. Ça y est. This is it. Je veux faire ça. I want to do this. Moi je veux ça. I want that. Je veux tout. I want everything. Tout est à moi. It's all mine. Je te veux. I want you. Vous y êtes. There you are. Je veux être avec vous. I want to be with you. Il me l'a fait faire. He made me do it. Qui a fait ça? Who did this? Tu as fait ça. You did that. Tu as tout. You have everything. Vous avez fait ça. You did that. Vous avez tout. You have everything. Ils sont avec moi. They're with me. Tu es tout pour moi. You are everything to me. Elle est tout pour lui. She is everything to him. Je peux le faire. I can do this. Tu peux le faire. You can make it. Il est temps. It's time. Je veux du temps. I want time. Tout est dans les temps. Everything is on schedule. Elle m'a tout dit. She told me everything. Il ne l'a pas dit. He did not say so. Qui vous l'a dit? Who told you? Tu ne veux pas cela. You don't want this. Vous avez fait cela. You did that. Je pense à vous. I'm thinking about you. Je ne suis pas ici. I'm not here. Qui est ici avec vous? Who's here with you? Comment est le temps? How is the weather? Je sais où ils sont. I know where they are. Tu ne sais pas tout. You don't know everything. Tu sais qui je suis? Do you know me? Il est tout à toi. It's all yours. Je sais tout de toi. I know all about you. Qui est ici avec toi? Who's here with you? Je ne sais pas vraiment. I don't know for certain. Pourquoi ils ont fait ça? Why did they do that? Nous avons fait cela. We did that. Nous avons tout le temps. We have all kinds of time. Elle lui dit quelque chose. She said something to him. Tu es vraiment quelque chose. You really are something. Je ne peux le dire. I can't say. Je veux te le dire. I want to tell you. Tu peux tout me dire. You can tell me anything. Tu veux dire nous? Do you mean us? Elles sont à moi. They're mine. Pourquoi elles ont fait ça? Why did they do that? Ils sont tous ici. They're all here. Je les ai tous. I've got them all. Nous y avons tous été. We've all been there. Vous êtes tous à moi. You're all mine. Ça a été très bien. That was very good. Ça fait du bien. It feels good. Il est bien temps. It's about time. Je le sais bien. I do know that. Je veux le faire bien. I want to make it right. On ne dit plus ça. We don't say that anymore. On y est. Here we are. Elle m'a dit où aller. She told me where to go. Tu peux y aller. You may go. Je pense avoir bien fait. I think I've done well. Elles ont besoin de lui. They need him. Nous en avons besoin. We need it. On a besoin de toi. We need you. Il ne nous aime pas. He doesn't like us. Il nous aime. He loves us. Je les aime tous. I like them all. Je vous aime vraiment. I really love you. Je pense beaucoup à elle. I think about her a lot. Je veux beaucoup plus. I want much more. Nous avons beaucoup de temps. We've got plenty of time. Elles sont là pour moi. They're here for me. Je ne suis pas là. I'm not here. Tout est là. It's all there. Vous êtes là Are you there Nous sommes tous là. We're all here. Tu étais à moi. You were mine. Personne ne fait ça. Nobody does that. Personne ne peut le dire. No one can say. Il aime parler de lui. He likes to talk about himself. Je veux parler avec elle. I want to talk to her. Je veux parler. I want to speak. Je peux parler un peu. I can talk for a bit. Il y en a trop. There are too many of them. Je ne sais pas trop. I do not know exactly. Tu en sais trop. You know too much. Il est toujours avec moi. He is always with me. Je veux toujours y aller. I still want to go. Nous sommes toujours là. We're always here. Je veux vraiment te voir. I really want to see you. Personne ne peut voir. No one can see. Je ne sais quoi dire. I don't know what to say. Nous avons besoin des deux. We need both. Pourquoi pas les deux? Why not both? Tu peux avoir les deux. You can have both. Je vous aime quand même. I love you anyway. Cette personne est comme moi. That person is like me. Comme tu veux. As you like. À qui est cette maison? Whose house is this? Je suis à la maison. I'm at home. Je veux voir votre maison. I want to see your house. Ça ne me dit rien. It doesn't ring a bell. Personne ne m'a rien dit. No one told me anything. Je veux mon argent. I want my money. Où est votre argent? Where is your money? Il y avait quelque chose. There was something. Je ne sais encore rien. I don't know anything yet. Je vous aime encore. I still love you. Nous sommes encore ici. We're still here. Je veux voir ta maison. I want to see your house. Ma maison est ta maison. My home is your home. Qui t'a dit tout cela Who told you all that Elle a besoin de combien How much does she need Tu aimerais ça You would like it. Je veux voir le monde. I want to see the world. Où est tout le monde Where is everybody Tout le monde était là. Everyone was there. Tout le monde fait ça. Everybody does that. Tout le monde dit. Everyone sing it. Comment va tout le monde? How's everyone doing? On va y aller. We're going to go. Personne ne va faire ça. No one's going to do that. Qui va là? Who goes there? Tout le monde va bien. Everybody is fine. Il faut faire quelque chose. Something has to be done. Il me faut lui parler. I need to talk to him. Il me faut te voir. I must see you. Il nous faut du temps. We need time. Il nous faut y aller. We must go. Il nous faut une voiture. We need a car. Je suis cette voiture. I am following that car. À quoi bon faire cela? What's the point in doing that? Je suis bon. I am good. Tout était très bon. Everything was very good. Tu es vraiment bon. You really are good. Vous êtes bon. You are good. Encore une fois. Once again. Je dois parler avec toi. I must talk with you. Je lui dois quelque argent. I owe him some money. Tu dois y aller. You have to go. Tu me dois quelque chose. You owe me something. Tu ne me dois rien. You don't owe me anything. Je le pense aussi. I think so too. Je vous aime aussi. I love you too. Nous aussi nous sommes là. We're here too. Tu peux le faire aussi. You can do it too. Tu y étais aussi. You were there too. Elle ne l'a jamais vu. She has never seen him. Je vous y ai vu. I saw you there. Nous avons vu quelque chose. We saw something. Tout le monde l'a vu. Everyone saw it. Ceci est pour toi. This is for you. Ceci est rien de plus. This and no more. Je veux voir ceci. I want to see this. Tu peux faire ceci. You can do this. Vous avez fait ceci. You did this. Vous pouvez avoir les deux. You can have both. Vous pouvez lui parler. You may speak to him. Elle était là hier. It was there yesterday. Je vous ai vu hier. I saw you yesterday. Nous avons fait ça hier. We did that yesterday. Comment va le travail? How's work? Il est encore au travail. He's still at work. Je dois aller au travail. I have to go to work. Mon travail est fait. My work is done. Tu as un bon travail. You have a good job. Comment va ton père? How's your father? Mon père va bien. My father is in good health. Où était votre père? Where was your father? Tu es mon père. You are my father. Tu avais besoin de moi. You needed me. Je ne vais pas bien. I'm not well. Je vais aller par là. I'll go this way. Je vais maintenant y aller. I'm going to go now. Si pas maintenant, quand? If not now, when? Tout va bien maintenant. Everything's okay now. Tu peux faire cela maintenant. You can do that right now. Va à la maison maintenant. Go home now. Ça va être juste. It's going to be Elles sont juste pour toi. They're just for you. Je suis juste ici. I'm right here. Ma voiture est juste là. My car is right there. Tu es juste. You're fair. Il en a après toi. He has a grudge against you. Je suis après lui. I'm after him. Tu avais bon après tout. You were right after all. Je pensais tout avoir. I thought I had everything. Il m'a eu. He tricked me. Je vous ai eu. I've got you. Je veux aider. I want to help. Nous sommes là pour aider. We're here to help. Personne ne peut aider. No one can help. Tu peux aider. You can help. Vous pouvez tous aider. You can all help. Fais comme on te dit. Do as you're told. Je fais tout le travail. I do all the work. Je le fais encore. I still do that. Ne fais pas ça maintenant. Don't do that now. Tu fais un bon travail. You do a nice job. Elles sont toutes là. They're all here. Je les aime toutes. I like all of them. Nous avons toutes fait cela. We've all done that. Vous pouvez tout aider. You can all help. Fais comme chez toi. Please make yourself at home. Je dois aller chez moi. I need to go home. Je suis chez moi. I'm home. Nous sommes chez nous. We're home. Va chez nous, maintenant. Go home now. Ça nous arrive à toutes. It happens to all of us. Une voiture arrive. There's a car coming. Ça a déjà été fait. It's already been done. Je sais déjà. I already know. Ce livre est très bon. This book is very good. Je veux un livre. I want a book. Comme vous voulez. As you like. Je sais le français. I know French. On peut parler français? Can we speak French? Ton français est bon. Your French is good. Je me porte bien. I'm okay. Porte ça pour moi. Carry this for me. Porte ce que tu veux. Where whatever you want. Elles en ont eu assez. They've had enough. Il y en avait assez. There were enough. Nous avons assez de temps. We have enough time. Tu en sais assez. You know enough. Fais juste de ton mieux. Just do your best. Il nous faut mieux faire. We have to do better. Il va mieux. He is getting better. Je fais de mon mieux. I'm trying my best. Je vais mieux. I am better. Cette maison est très bonne. This house is very good. Je suis une bonne personne. I'm a good person. Tu fais la bonne chose. You're doing the right thing. Vous êtes vraiment bonne. You really are good. Je ne puis le dire. I can't say. Nous sommes trois. There are three of us. Je devrais aller avec toi. I should go with you. Je devrais vraiment y aller. I really should be going. Tu devrais aider ton père. You should help your father. Je vais prendre ceci. I'll get this. Je vais prendre ma voiture. I'm going to take my car. Tu peux prendre ton temps. You can take your time. Vous pouvez prendre le livre. You may take the book. Je suis sans travail. I am out of work. Tout est mieux sans toi. Everything is better without you. Je vais la faire demain. I'll do it tomorrow. Je vais le voir demain. I'm going to see him tomorrow. On va au demain. Where are we going tomorrow? Elle aime beaucoup son école. She likes her school a lot. Où est votre école? Where's your school? Fais un pas en avant. Step forward. Je lui dois la vie. I owe him my life. La vie est comme ça. Life is like that. Nous sommes toujours en vie. We're still alive. Il a dû y aller. He had to go there. Il me faut savoir. I need to know. Je pensais savoir quoi faire. I thought I knew what to do. Personne ne peut tout savoir. No one can know everything. Tu devrais le savoir. You should know it. Il l'a fait tout seul. He did it himself. Je suis très seul ici. I'm very lonely here. Je veux faire ça seul. I want to do this on my own. Elle aime ses enfants. She loves her children. Ils ont maintenant trois enfants. Now they have 3 children. Je pense à mes enfants. I am thinking about my children. Les enfants sont déjà là. The kids are already here. Nous avons deux enfants. We have 2 kids. Comment va votre mère? How's your old lady doing? Mon père aime ma mère. My father loves my mother. Tu dois aider ta mère. You must help your mother. Vous êtes une bonne mère. You're a good mother. Ce fut très bon. That was very good. Tu as une heure. You have one hour. Il était le seul homme. He was the only man. Tu es un homme bon. You're a good man. Il nous faut manger. We need to eat. Je vais manger après ça. I'll eat after that. On ne va rien manger. We're not going to eat anything. Tu devrais manger. You should eat. Je suis tout à toi. I'm all yours. Cela peut être un problème. That can be a problem. Je pense voir le problème. I think I see the problem. Pas de problème. No problem. Quel est ton problème? What in number 39 is the matter with you? Je dois aider ces gens. I must help these people. Où sont tes enfants? Where are your children? T'es assez bonne. You're pretty good. T'es qui toi? Who are you? Fais simplement ton travail. Just do your job. Je veux simplement savoir pourquoi. I just want to know why. On va simplement parler. We're just going to talk. Bonne nuit tout le monde. Good night everyone. Cette nuit est la bonne. Tonight is the night. Il fait encore nuit. It's still dark. Où va tout cet argent? Where is all that money going? Il est aussi grand qu'elle. He is as tall as her. Il est grand temps. It's about time. Je suis plus grand. I am taller. Tu es un grand maintenant. You're grown up now. Vous êtes très grand. You're very tall. Où sont vos enfants? Where are your children? Ça me plaît beaucoup. I like it a lot. Ça te plaît? Do you like that? Ils ne sont pas mal. They're not bad. Le mal était fait. The damage was done. Ça a pris du temps. It took time. Elle a pris son livre. She took her book. Je ne pris rien. I didn't take anything. Tu as tout pris. You've taken everything. Sa voiture a deux ans. Her car is two years old. Demain est un autre jour. Tomorrow is another day. Ça va prendre quelques heures. That will take a couple of hours. Comment va le chien? How's the dog? Il avait un chien. He had a dog. Je veux ce chien. I want this dog. Quel grand chien! What a big dog! Ton chien est là. Your dog is here. Maintenant veut dire maintenant. Now means now. On veut pas savoir. We don't want to know. Personne ne la veut. Nobody wants it. Qui veut ceci? Who wants this? Tout le monde veut ça. Everyone wants that. Tu aurais dû lui dire. You should have told him. Cela fait vraiment sens. That really made sense. Je me sens assez seul. I feel lonely. Tout ceci a du sang. It all makes sense. Tu sens bon. You smell good. Ça aide un peu. That helps a bit. Cela nous aide tous. That helps all of us. Qui aide ta mère? Who helps your mother? Elle peut partir demain. She can leave tomorrow. Elle veut vraiment partir. She really wants to go. Il peut partir demain. He can leave tomorrow. Je vais juste partir. I'll just leave. Tu devrais partir, maintenant. You should go now. Qui va parler ce soir? Who is going to speak tonight? Je voulais simplement te parler. I just wanted to talk to you. Fais comme je te dis. Do as I tell you. Ne dis rien. Don't say anything. Ne lui en dis rien. Don't tell her about it. Tu dis toujours cela. You're always saying that. Ce fut une bonne idée. It was a good idea. De qui était cette idée? Whose idea was it? Mon idée est mieux. My idea is better. Il veut toujours venir. He still wants to come. Je devrais venir, aussi. I should come too. Personne ne l'a vu venir. Nobody saw it coming. Pourquoi venir à moi maintenant? Why come to me now? Tu dois venir avec moi. You must come with me. Ce livre est très petit. This book is very small. Je suis trop petit. I am too short. Je veux un petit chien. I want a puppy. Le monde est petit. What a small world. Nous avons un petit problème. We have a little problem. Ils sont tous très heureux. They are all very happy. Je me sens heureux. I feel happy. Je suis si heureux. I'm so glad. On veut juste être heureux. We just want to be happy. Tout le monde était heureux. Everyone was happy. Je sais des choses. I know things. Elle parle aussi le français. She also speaks French. Il parle vraiment bien. He speaks really well. Je me parle. I talk to myself. Ne parle pas comme ça. Don't talk like that. Parle quand on te parle. Speak when you are spoken to. Il a passé la porte. He walked toward the door. Le passé est le passé. The past is the past. Ton temps est passé. Your time is over. Je veux vraiment te croire. I really want to believe you. Tu dois croire en toi. You have to believe in yourself. Ce livre est nouveau. This book's new. Elle l'a fait à nouveau. She did it again. Je suis nouveau, ici. I'm new here. What in number 39 is -ce new? Cela va prendre quelques jours. It's going to take a few days. Elle a quelques amis. She has a few friends. Ils sont mes amis. They're my friends. Nous sommes tous deux amis. We both are friends. Tu es avec des amis. You're with friends. Je suis sûr. I am sure. Je vais te rendre heureux. I'll make you happy. Vous pouvez vous y rendre. You can go there. Elle sait parler français. She can speak French. Elle sait quoi faire maintenant. She knows what to do now. Même ma mère le sait. Even my mom knows. On sait tout ça. We know all this. Personne ne sait vraiment. Nobody really knows. Ce travail m'a beaucoup demandé. That job took a lot out of me. Elles lui ont demandé they asked him. il vous a demandé. he asked after you. personne ne te l'a demandé. no one asked you. il est encore trop tôt. it is still too early. je dois partir tôt demain. i must leave early tomorrow. nous sommes là tôt. we're here early. Je suis chez un ami. I'm at a friend's house. Je veux un petit ami. I want a boyfriend. Mon ami parle beaucoup. My friend is a talkative person. Qui est ton petit ami? Who's your boyfriend? Ça a été vraiment difficile. That was really difficult. Ce fut difficile à croire. It was hard to believe. La vie peut être difficile. Life can be hard. Le travail était très difficile. The work was very difficult. Tu es difficile. You're fussy. Ne sois pas si difficile. Don't be so cheesy. Sois là cette nuit. Be there tonight. Sois un homme. Be a man. Il a entendu le son. He heard the sound. Je pensais vous avoir entendu. I thought I heard you. Je veux être entendu. I want to be heard. Tu as entendu ta mère. You hurt your mother. Soyez un homme. Be a man. Elles ont raison, bien sûr. They're right, of course. Nous avons toutes deux raison. We we're both right. Sa mère avait raison. His mother was right. Tu as raison. You're correct. Tu avais aussi raison. You were right too. Comment se porte ta fille? How was your daughter? Il avait une fille. He had one daughter. La fille ne dit rien. The girl did not say anything. Ma fille est trois ans. My daughter is three years old. Tu es une bonne fille. You are a good person. Il me faut rester ici. I have to stay here. Je dois rester un moment. I have to stay for a while. Pourquoi ne pas simplement rester? Why not just stay? Tu dois rester. You must stay. Je me sens seule. I'm lonely. Je veux faire ça seul. I want to do this on my own. Il me faut une chambre. I need a room. Où est ma chambre? Where's my room? Quelle est cette chambre? What's this room? Va dans ta chambre, maintenant. Go to your room now. Je pourrais ne rien dire. I could say nothing. Tu pourrais bien avoir raison. You could well be right. Nous pouvons faire beaucoup mieux. We can do a lot better. Ça fait vraiment peur. That's really scary. Elle avait peur du chien. She was afraid of the dog. Nous avons toute peur. We're all scared. Tout le monde a peur. Everyone is scared. Tu me fais peur. You scare me. Elle parle bien anglais. She's a good English speaker. Il parle anglais et français. He speaks English and French. Je ne suis pas anglais. I'm not English. Qui sait parler anglais? Who can speak English? Faites ce que je dis. Do what I say. Faites comme chez vous. Please make yourself at home. Faites simplement votre travail. Just do your job. Ne faites pas cela maintenant. Don't do that now. Vous me faites peur. You scare me. Il m'a demandé mon nom. He asked me what my name was. Personne ne sait son nom. No one knows his name. Quel est encore ton nom? What's your name again? Quel est son nom, déjà? What's her name again? Je dois aller quelque part. I have some place to go. Tu as fait ta part. You did your part. Comment se porte ta femme? How's your wife? Votre femme est ici. Your wife is here livrer de le leur. That book is theirs. Je veux simplement leur parler. I just want to talk to them. Personne ne sait leur nom. No one knows their name. Qui est leur mère? Who's their mother? Il est avec ses parents. He's with his parents. Où sont vos parents maintenant? Where are your parents now? Ça ne semble pas bon. That doesn't sound good. Fais comme bon te semble. Do as you want. Il semble être heureux. He seems to be happy. Il semble tout savoir. It seems that he knows everything. Leur travail me semble bon. Their work seems good to me. Cela arrive beaucoup trop souvent. That's happening far too often. Je fais souvent ceci. I often do this. Vous êtes souvent ici? Do you come here often? Je te prie de partir. Please leave. Je vous en prie. A please. Par ici, je vous prie. Please come this way. Prie pour nous toutes. Pray for all of us. Combien de gens étaient là? How many people were there? Elles étaient toutes ici. They were all here. Ils étaient tous amis. They were all friends. Tous étaient heureux. Everyone was happy. Elle veut lire un livre. She wants to read a book. Il peut lire. He can read. Je ne veux rien lire. I don't want to read anything. Je vais lire un peu. I'm going to do some reading. Tu devrais vraiment le lire. You really should read it. Crois ce que tu veux. Believe what you want. Je te crois toujours. I always believe you. Ne crois pas ça. Don't believe this. Demain sera un autre jour. Tomorrow will be another day. Elle sera là ce soir. She will be here this evening. Il sera toujours avec toi. He will always be with you. Le plus sera le mieux. The more, the better. Tout le monde sera heureux. Everyone will be happy. Demande ce que tu veux. Ask for what you want. Je me demande qui I wonder who. Je te demande de rester. I'm asking you to stay. Ne demande pas. Don't ask. On se demande pourquoi. We wonder why. Vous faites trop la fête. You party too much. Je veux les acheter toutes. I want to buy them all. Je te dois un déjeuner. I owe you a lunch. Elle parle trop fort. She's too loud. Il était petit mais fort. He was small but strong. Je pense fort à elle. I think about her a lot. Parle un peu plus fort. Speak a little louder. Tu es fort bonne. You're very good. Je le savais déjà. I knew that already. Tu penses à quoi? What are you thinking about? Je pensais te trouver ici. I thought I'd find you here. On va la trouver. We'll find it. Trouver un travail est difficile. Finding work is difficult. Tu sais où me trouver. You know where to find me. Il ne peut rester longtemps. He can't stay long. Nous avons été longtemps amis. We've been friends for a long time. Elle était là ce matin. She was there in the morning. Je dois partir demain matin. I must leave tomorrow morning. On est le matin. It's morning. Elle arrive souvent en retard. She often comes late. Notre train a du retard. Our train is late. Nous sommes en retard. We're behind schedule. Vos amis sont en retard. Your friends are late. Elles ont perdu leur chien. They lost their dog. Il a perdu son travail. He lost his job. Je me sens perdu. I feel lost. Nous avons perdu. We lost. Tu es perdu. You're lost. Je te la laisse. I'll leave that to you. Laisse le chien partir. Let the dog go. Ne me laisse pas là. Don't leave me here. Tout est dans la pièce. It's all in the room. Il est arrivé à temps. He arrived in time. Je suis juste arrivé hier. I just arrived yesterday. Quelque chose lui est arrivé. Something's happened to it. Tu es arrivé trop tôt. You've arrived too early. Vous êtes arrivé en retard. You came in late. Il l'a trouvé. He found it. Nous avons trouvé quelque chose. We found something. Cette question est très difficile. That's a very difficult question. Quelle était ta question? What was your question? Dis simplement non. Just say no. Elles ont dit non. They said no. Je pense que non. I don't think so. Non, tu ne peux pas. No, you can't. Vous voulez cela? Non? You do want that, don't you? Il est nouveau en ville. He's new in town. Je suis de la ville. I'm from the city. Je vais en ville. I'm going downtown. Je veux jouer moi aussi. I want to play too. Où est votre autre frère? Where's your other brother? Va aider ton frère. Go and help your brother. À qui est ce lit? Whose bed is that? Elle ne lit jamais. She never reads. Je vais au lit. I am going to bed. La femme lit. The woman is reading. Tu devrais rester au lit. You should stay in bed. Vous étiez en retard hier. You were late yesterday. Je voudrais rester plus longtemps. I'd like to stay longer. Je connais bien son frère. I know his brother well. Tu ne les connais pas. You don't know them. Nous avons acheté une maison. We bought a house. Je viens de la ville. I'm from the city. Je viens de le trouver. I just found it. Tu viens souvent ici? Do you come here often? Tu viens tôt. You're early. Viens en ville avec nous. Come downtown with us. Aucun ne me parle. Nobody speaks to me. Je ne veux aucun d'eux. I don't want either of them. A plus tard. Catch you later. Il est déjà tard. It's already late. Je suis arrivé trop tard. I arrived too late. Je suis allé là hier. I went there yesterday. Ça pourrait être difficile. That might be difficult. Ceci pourrait prendre un moment. This could take a while. Cela pourrait être difficile. That could be difficult. Il pourrait ne pas venir. He may not come. Personne ne pourrait nous voir. No one could see us. Il veut une nouvelle voiture. He wants a new car. Nous avons une bonne nouvelle. We have good news. Même un enfant sait cela. Even a child knows that. Dites simplement non. Just say no. Ne dites cela à personne. Don't tell anyone this. Vous dites toujours ça. You're always saying that. Vous dites toujours cela. You're always saying that. Désolé pour ça. Sorry about that. Désolé, je dois partir. Sorry, I've got to go. Ne soyez pas désolé. Don't be sorry. Pensez à votre frère. Think of your brother. Je connais bien ce sujet. I am familiar with this subject. Ça a davantage de sens. That makes more sense. Il en veut davantage. He wants more. Je voudrais faire davantage. I'd like to do more. Tu devrais en savoir davantage. You should know better than that. Entre dans la pièce. Come into the room. Elles en sont presque là. They're almost here. Il est presque 3 heures. It's nearly 3 o'clock. Je te crois presque. I almost believe you. Nous y sommes presque. We're almost there. Tu as presque raison. You're about right. Elle a dû travailler beaucoup. She must have worked very hard. Je dois travailler demain. I have to work tomorrow. Je vais travailler. I'll work. Nous pouvons y travailler. We can work on it. Personne ne veut travailler. Nobody wants to work. Ça peut bien être vrai. It may well be true. Tout cela est vrai. That's all true. Tu as peur, pas vrai? You're afraid, aren't you? Je viens ici chaque jour. I come here every day.